Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes du même, nous avons porté le fardeau des jours. Nous avons souffert, en fatigué la peine. Nous avons offert simplement notre amour, notre amour. Seigneur, nous arrivons les quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Cette messe sera présidée par l'abbé Ephrem Diouni, qui est curé de la paroisse de la cathédrale Saint-Hilaire à Franceville. Nous prierons pour l'Eucharistie, pour le repos des âmes de Jean-Patrick Kouma. Véronique, Augustine Pochy, Véronique Kouboula, Va Minko, Pierrette. Nous prierons aussi en action de grâce avec Bertie Nadia, épouse Kumbila, qui rend grâce à Dieu pour le don de la vie. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en implorant la divine miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Agée. La deuxième année du règne de Darius, le 21e jour du 7e mois, la parole du Seigneur se fit entendre par l'intermédiaire du prophète Agée. Va parler à Zorobabel, fils de Zalatiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josédek, le grand prêtre, et au reste du pays. Tu leur diras, reste-t-il encore parmi vous quelqu'un qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Eh bien,
qu'est-ce que vous voyez maintenant? N'est-elle pas devant vous réduite à rien? Mais à présent, courage Zorobabel, oracle du Seigneur. Courage Josué, fils de Josédèque, grand prêtre. Courage tout le peuple du pays, oracle du Seigneur. Au travail, je suis avec vous, oracle du Seigneur de l'univers. Selon l'engagement que j'ai pris envers vous à votre sortie d'Égypte, mon esprit se tient au milieu de vous, ne craignez pas. Encore un peu de temps, déclare le Seigneur de l'univers, et je vais ébranler le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. Je vais mettre en branle toutes les nations, leurs trésors afflueront ici, et j'emplirai de gloire cette maison, déclare le Seigneur de l'univers. L'argent est à moi, l'or est à moi, oracle du Seigneur de l'univers. La gloire future de cette maison surpassera la première, et dans ce lieu, je vous ferai don de la paix, oracle du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Espérons Dieu que nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Espérons Dieu que nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère au monde. Espérons Dieu que nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. C'est toi, Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter? Pourquoi vais-je assombrir, pressé par l'ennemi? Espérons Dieu que nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. Espérons Dieu que nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu mon Dieu. Espérons Dieu que nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, alléluia. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc au chapitre 9, versets 18 à 22. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart, comme ses disciples étaient là
il les interrogea. Au dire des foules, « Qui suis-je ? » Ils répondirent, « Jean le Baptiste. » Mais pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Pierre prit la parole et dit, « Le Christ, le Messie de Dieu. » Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Loué soit Jésus-Christ. Amen. La liturgie de la parole ce matin nous invite à méditer sur deux réalités, la consolation et la désolation. Ce sont deux réalités dont parle les lettres de Saint Ignace pour dire que nous devons toujours en tenir compte. Et si nous prenons la parole d'aujourd'hui, il y a pour tout le peuple d'Israël un grand moment de consolation. Et cette consolation arrive après la désolation de l'exil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné leur terre. Ils ont été contraints d'abandonner leur terre et maintenant ils reviennent. Donc nous avons là le thème de la reconstruction du temple que nous trouvons aussi bien dans cette lecture tirée du livre du prophète Agée que dans le livre d'Esdras et le livre de Néhémie. Il est question de reconstruire le temple, rebâtir le temple de Jérusalem. Et pourquoi cette reconstruction est-elle si importante? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de relever un édifice, il s'agit de reconstruire l'identité des Israélites, et donc il s'agit d'une restauration spirituelle. À travers la reconstruction du temple de Jérusalem, le Seigneur veut restaurer spirituellement son peuple. Vous imaginez vivre au milieu des païens, vivre loin de la terre d'Israël, a certainement contaminé spirituellement ce peuple. Alors ils sont revenus et ils reconstruisent le temple. Sur les acteurs de cette reconstruction, il y aurait beaucoup à dire. Vous voyez que le gouverneur Zorobabel y est associé, le prêtre, le grand prêtre y est associé, et tout le peuple. Il y a donc là une collaboration voulue par Dieu pour que chacun à son niveau participe à cette œuvre de reconstruction. Et la première chose que le Seigneur dit au peuple, c'est ce que nous disons en chacune de nos eucharisties. Je suis avec vous. Commençons la messe en disant « Le Seigneur soit avec vous ». Eh bien, ça vient en partie de là. Ça vient de la salutation habituelle dans le monde israélite où on se souhaitait la présence du Seigneur, où on se souhaitait la paix. Et ici, le Seigneur rappelle qu'il est avec eux dans cette œuvre. C'est lui qui accompagne le peuple. Et la force vient de là, la lumière vient de là, les énergies viennent de là, viennent de cette présence du Seigneur qui est avec son peuple. À présent, courage, oracle du Seigneur, je suis avec vous. Voilà, je suis avec vous. Il n'y a pas de parole aussi consolante que celle-ci. Je suis avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur est avec nous. Et cette consolation ne doit pas faire oublier la désolation. C'est cela que l'évangile d'aujourd'hui illumine cette réalité de la consolation et de la désolation. Aujourd'hui, Saint Luc nous présente Jésus comme d'habitude en prière. Si vous lisez un évangile et vous voyez qu'on dit très souvent que Jésus est en prière, à 80% vous êtes dans l'évangile de Luc. Quand il doit choisir les apôtres, il prie d'abord et ensuite il est choisi. Quand il va sur le mont Tabor, Luc dit il va là-bas pour prier. Et ici, il est en train de prier et une fois revenu de sa prière, il pose cette question à ses apôtres.
La réponse est d'une grande consolation, ce que dit Pierre. C'est une grande consolation parce qu'il reconnaît en Jésus le Messie. Et dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur va lui dire « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Et donc c'est une grande consolation, non seulement pour Pierre, mais encore pour le reste des disciples et pour nous qui avons la grâce de connaître qui est Jésus. Mais cette consolation ne doit pas faire oublier la désolation. C'est pourquoi Jésus interdit fermement à Pierre de le révéler à personne. Pourquoi? Parce que Jésus est le véritable temple. Le temple dont parle la première lecture qui est à reconstruire, c'est le corps du Christ. Et ce temple se réédifie dans l'humilité. C'est pourquoi il faut qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et qu'il ressuscite. Il y a là donc une prise en compte de la désolation. Mais lorsque le Seigneur nous fait passer par la désolation, ce n'est jamais vain. C'est pour nous faire grandir, c'est pour nous purifier et c'est pour affiner le don et l'offrande que nous faisons de notre vie à Dieu. Voilà pourquoi Jésus doit aller à Jérusalem et qu'il doit souffrir. Parce que la reconstruction spirituelle d'Israël ne se fait pas dans la gloire, elle se fait dans l'humilité. L'humilité d'un Messie crucifié, d'un Messie qui passe par la passion. Voilà comment Jésus triomphe. Voilà comment le corps du Christ est rebâti. Voilà comment le temple véritable est rebâti. Demandons donc au Seigneur aujourd'hui de nous aider à tenir compte de ces deux réalités. Quand nous sommes dans la désolation, n'oublions pas que le Seigneur peut nous consoler. Pour les Israélites, ça a pris du temps. Pendant la désolation de l'exil, ils ne savaient pas que le Seigneur allait les faire revenir dans la terre et même reconstruire le temple. Et ce que le prophète Agé nous dit, c'est que la gloire de la deuxième maison, la gloire du second temple sera plus grande, beaucoup plus grande que celle du premier temple. Donc dans la désolation, n'oublions pas que le Seigneur peut nous consoler. Et lorsque nous sommes dans la consolation, faisons des réserves pour affronter le temps de la désolation. Si nous avons fait échec, si nous avons été dans la désolation, n'oublions pas ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui par le prophète Agé. La gloire future de la maison surpassera la première et le Seigneur peut nous donner sa paix. Donc ce que nous avons à reconstruire de notre vie spirituellement et même parfois pour un pays ou pour une communauté, parfois si le Seigneur est avec nous, il est au milieu de nous, ça peut être encore plus grand que tout ce qui a été fait. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain que nous portons à ton autel, qu'il soit ton corps. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le vent qui a mûri qu'il soit ton sang. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai
ce que ta main nous a donné. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de celle du monde. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce car c'est toi qui nous as créés. Et tu nous appelles à vivre pour toi et à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut des cieux. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de ton Fils Jésus-Christ. Il est venu chez les hommes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles. Il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a lui-même fait la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Prit aussi la coupe de vin et te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur Jésus, qui es vivant, en toi la joie éternelle. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Tu es vivant, Seigneur.
Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Il vit maintenant auprès de toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux hommes. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Jean-Patrick, à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, et tous les saints du ciel, tous ensemble dans l'éternité. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la paix d'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Heureux des invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le par ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Laudate Dominum. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Alleluia, alleluia. Alléluia, laudate Dominum, laudate Dominum, amen, amen, alléluia, laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia, laudate Dominum. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Ensemble, prions. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte journée à tous. Merci mon Père. Amen. Sainte Vierge, ma mère, laisse-moi te contempler dans la douce lumière de ton cœur immaculé.
Père.